je travaille avec des matériels très contemporains, la photo et le silicone. Et ici, je présente des travaux assez forts. Vous voyez derrière moi le Fuck the World. C'est la représentation de notre contemporanéité. L'homme, l'humanité, et donc la Terre aussi, c'est en danger. Et grâce à nous. Donc, je représente une main de squelette dans un geste très très fort, le Fuck, et qui tient en équilibre la Terre. Et si vous regardez l'œuvre, vous découvrez que l'arche terrestre, ce n'est pas exactement l'arche terrestre réel. J'ai changé l'arche terrestre et c'est, qui c'est devenu le prolongement du doigt oui. Donc aussi dans le grand tableau qui s'appelle The Bill, la vision. Donc après, je me suis inspiré à la scène de Leonardo da Vinci, mais après la scène, il y a la vision. Donc nous, on est là, il faut faire attention. Je cherche à communiquer au pouvoir du monde, donc les religions, les trois religions principaux, les militaires, donc le pouvoir militaire, les politiques, la finance, parce que ce sont eux qui doivent trouver une solution. Et je suis italien, donc je viens de la Renaissance. Donc les images typiques de la Renaissance, les symboles typiques de la Renaissance. Le papillon, c'est un symbole pas seulement de beauté, mais aussi de la vitesse de la vie. Et c'est la représentation de la métamorphose, donc du changement. C'est le symbole de la spiritualité. Et dans la Renaissance, c'était le symbole de l'ascension de Christ, donc de la résurrection. Maintenant, on doit trouver une nouvelle Renaissance, parce que je crois qu'on est dans un moyen âge technologique. Il faut sortir de ça, sinon on est mort.